Et voilà, bienvenue, bienvenue dans l'antre de votre snacky. Et oui, les nocturnes sombres, on connaît et on aime. J'ai toujours pas configuré, Vox Pro. Hello, hello poteau, oh Landal. Landal, et j'ai retenu, c'est Landal. Ça fait longtemps, bah oui, ça fait longtemps. Ça roule, ah bah écoute, ça va. Écoute, ça va mieux. Ça va mieux, j'ai dû faire une pause parce que problème avec la famille, tout ça. Donc j'ai fait une pause. Des soucis personnels, copain. Des soucis personnels, des problèmes. Mais bon, c'est derrière nous. On restream le week-end. Au calme. Et toi, comment tu vas? Est-ce que ça va, toi? Finalement, rien de grave, je te rassure. Mais ça m'a, comment dire, monopolisé un moment. Votre niveau de batterie est faible. Ah mais, ah mais oui, là il n'est pas branché. Oh, le PC portable qui n'est pas branché. On va débrancher la PlayStation et on va brancher le PC portable. Il me faudrait plus de multiprise. Parfait. Ah merde, bah écoute, ça va, oui, ça va mieux, c'est pour ça qu'on est là, je te rassure. Tranquille, bientôt un peu de vacances. Bah putain, sans mieux, ça fait plaisir. Bientôt la même pour moi, encore quoi, une semaine, peut-être une semaine et demie. Faut que je regarde, mais pareil, bientôt... On est bientôt tranquille. Et là, on fait du Cthulhu! Oh, merde! Ah non! Ah non, pas de piqûre! Madame! Aïe! Oh, ça fait... Oh, je suis stone! Animateur multimédia. Donc, je donne des coups, en fait. Et bientôt il n'y aura plus personne à qui donner cours, donc voilà, je serai en congé. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Je suis fou! Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. Oh non, c'est des cours. Non, 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 pas d'université, c'est des cours informatiques pour les personnes dans le besoin. On fait surtout des cours informatiques pour les personnes qui ne connaissent rien, les personnes âgées. Sorry, my friend. What? No. Entre autres, les personnes qui veulent se mettre au multimédia. Et on dépanne aussi. On fait beaucoup de dépannage. Hein? What happened to me? Where am I? Oh bordel. Vous m'avez piqué. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. No, you don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Oh, il s'est barré. Il s'est pas sorti. Non, tu ne m'as pas dit, non. C'était quand la dernière fois qu'on s'est vu, Landal? Me demande si c'était pas pour la fin d'Halloween. Grosse coupure de 3 semaines. Oh si, c'est à peu près ça, hein, le marathon alien. Oh putain. Ce Halloween, ouais, c'est bien ce que je vois. Eh, le marathon alien. Oh putain. Mais, allez. Ah, c'est pas juste. Je vais me pioter. Ah, t'es gueulé. On est...
On est tous dans le même pétrin. Tu l'avais fini, putain. Eh ben oui, on l'a fini. On l'a fini. J'étais défoncé, Landal, mais je l'ai fini, quoi. Je l'ai fini. 19h et des broutilles. Quasiment à 24h, quoi. Oh. C'est gentil parce que putain j'étais tellement défoncé. Putain mais je suis stone. Oh, j'ai été piqué. Je me casse. Mais j'ai déjà repris les lives la semaine passée. Attends. Oh non, je crois que ça fait même 2 semaines. Non. La semaine passée. Vendredi, samedi. Je fais des nocturnes snacky. Putain, vous avez une sale gueule les mecs. Vous me suivez du regard? Putain, si vous êtes pas un peu flippant. J'avais fait du Red Dead Redemption 2. Et du Cthulhu, le premier, justement. Épisode 1, là c'est la suite. C'est bien pour les nocturnes, un petit jeu un peu glauque. Sympathique. Oh, ne t'inquiète pas du tout, Landa, t'inquiète, allez. Vu les horaires aussi, je me doute bien qu'il y aura moins de monde avec des heures pareilles. Oh mais Red Dead il est impressionnant hein. Moi il me met sur le cul hein. J'avance pas dans le mode histoire parce que je passe mon temps à faire des trucs annexes. Je chasse, j'aide les gens, il y a tellement d'animations que... Je m'égare, hein. Je papillonne. Je dois être à 50% du mode histoire. Toi les nocturnes ça te va Landal. Eh ben t'es le bienvenu. Oula. Ah bah écoute, c'est cool. Parce que pour le moment, de 20h à 21h minuit, je peux plus trop pour le moment, je fais autre chose, je suis pris sur autre chose. Ou alors ce serait un live spécial. À 21h minuit, je peux plus. Et encore, aujourd'hui, ça m'a pris plus longtemps que lui. Pour ça que j'arrive qu'à 1h du mat. C'est lui qui m'a dit que tu étais été interné ici. Wait. Bradley is really alive. I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Bon, ça marche, mais... Attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que c'est votre tour de poitrine normale? C'est naturel, votre poitrine, là? En cette époque, je pense que oui. Il n'y avait pas encore tous les artifices de maintenant. Je sais ce que j'ai à faire. Je ne sais même pas ce que j'ai à faire, comment je suis... Que font-ils aux patients ici? Ça arrête pas de gueuler. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. Je sais pas si c'est l'événement de l'époque, mais je trouve que sa poitrine immense ou c'est un effet. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Et moi je veux bien, mais... Oh non! Oh, j'ai pas pu voir de plus près! Oh, c'est pas juste! Ok, je me casse. Mais t'as... Ça pend. Mais où tu trouves aussi? Je sais pas si c'est le vêtement, mais... Elle en a une sacrée paire, dis donc, la dame. What does this mean? Oh là! Oh là! Satanique! Ok, enquêtons. Sarah. Sarah.
Oui, je sais dire. Merci, Pierce. Am I in an asylum? What did they inject him with? Qu'est-ce qu'ils m'ont injecté? Écoute, je sais pas, copain. De la drogue. On a été drogués à tous les coups. Why the strange symbol repeated over and over? Symbole satanique. La malédiction. What did he write about the painting? Ok. Je vais baisser le son. Ah, pas vu toi. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. C'était des hallucinations? Mais qu'est-ce qui était des hallucinations? Je crois pas, là on enquête. C'est sa manière d'enquêter, il est capable de... Je sais pas, est-ce qu'il reproduit la scène? Est-ce qu'il s'imagine la scène? En tout cas, le mec, il arrive à reproduire finalement les détails, position et tout. C'est un enquêteur un peu particulier. Voilà, on a déterminé des trucs avec ce qu'il y avait dans la pièce. C'est un putain d'enquêteur, Pierce, hein, en vrai. Ok. Je peux les aider? If I don't get out of here, I'll end up like him. Ok, je peux pas l'aider. Poor wretch. Dr. Coden, I would like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. Ah ouais, mais même d'ici, quand elle se tourne, la poitrine de cette femme! Oh nom de Dieu! Yes, doctor. Généreuse, hein? Oh. Oh, j'en peux rien, j'ai l'air d'un gros dégueulasse parce que je ne vois que ça, mais... Damn it! I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Ok, musique, Metal Gear. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valve. As you want. I'm gonna see if they're sleeping though. They're going out again upstairs. Peut-être un peu chaud. Elle va un peu fort. J'arrive pas à régler le son. Voilà. You. J'arrive. Yeah, you there. Come here. Quoi? What do you want? Sleep. That's all. Sleep. You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here, except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Ah, bah écoute, je promets pas. Écoute, pourquoi pas? If I find something, who knows what I'll do. Allez. Don't play the wise guy, because you're on the outside and I'm not. C'est j'appelle l'asile et créer une diversion. Je vais être obligé de créer une diversion. Qu'est-ce qu'il y a plus loin?
On va pas passer par là. Faut faire une diversion. Il faut trouver les. Attends, je te suis. If I walk, I do not stop. If I do not stop, it does not catch me. Faut trouver les stocks de Médoc. Il doit y avoir des stocks quelque part. C'est quoi ça? Du câble électrique? It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Have I activated anything? Lâche. What? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Appelle pas Snacky pour rien. Est-ce qu'il peut me voir quand je suis penché? Non. Non, il peut pas me voir quand je suis penché. Oh putain, j'espère que je lui ai pas... Oh putain, je vais peut-être péter sa routine. Putain, si dans une autre routine, ça va me péter les couilles. Je peux pas me déguiser. Évidemment que non. J'ose plus, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il tourne en rond ou... Qu'est-ce que tu vas faire, copain? La patience! Un truc dans l'armoire? Allez, je peux ouvrir la porte, t'as raison. Ouais, quand je me penche, il me voit pas. Ok, c'est safe. Impeccable. Ah, c'est pour me planquer. C'est pour me planquer. Putain, alors quand il se planque, il flippe pas notre Pierce là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pas 6. 4, 5. Suis les câbles, bon à savoir, oui. Donc les armoires, on peut se planquer, on suit les câbles. Je sais pas, on va faire une diversion, on va faire sauter la machine. Ah mais c'est le gars tout à l'heure, je peux pas passer. I think I got the right date. My calculations are always right. Vous n'auriez pas vu les stores de Médoc? Non? Ouais. Ils sont inutiles. Ok, il tourne en rond. Ah, les câbles rouges. On suit les câbles. Oh! Good God! What could this machine be used for? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah parfait, tous les câbles partent d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Des cuves remplies de chair pourrie, c'est de la chair, ça. What's the connection between this meat and the electrical installation? Worse and worse. Attends, mes cours de secondaire remontent à un bail. Est-ce qu'on peut pas faire du courant, une petite pile avec des patates? Me semble que si, hein. Pas n'importe quelle patate, mais on peut faire du courant avec des patates. Donc, de l'électricité, de la bouffe, moi ça me parle. Ça me choque pas. Que c'est pour faire diversion, ça? Y a pas le courant pour, ok. C'est vrai. Ah!
This machine seems to consume Je dis pas de la merde. What will happen if I increase the current to the limit? Ah, ok, faut pousser le courant à fond. Câble jaune est à fond, alors vert. Vert, rouge, bleu. Is there a connection between this corpse and the machine? The corpse is complete. Whose are these limbs? Putain, il y a des membres coupés ici. Ok. Ok, il faut pas que de la médecine dans le coin. C'est pour se cacher, ça? Oui, c'est ça, c'est... Il existe donc des horloges alimentées par des patates, même. Oh, ah oui! Et après, on viendra dire qu'on n'est pas écologique. Ça, c'était la grande pièce où, où les gars discutaient, non? Nous, on vient de là. Là, il y a la sortie qui est gardée. Et on est allé tout droit. Alors j'essaie de m'y retrouver. La machine à faire sauter. Tout droit, on a le... Est-ce que je peux me relever? Oui, ça va, il fait sa ronde. Là, c'est le mec à aider. Là, le garde. Ok, on va aller voir les autres endroits. Ok, donc il y a le bureau là-bas. Il y a quelqu'un. Exactly what I need. Des clés. Point d'interrogation. On a un objet ici. Green science patate horloge. Ah ouais, quand même. Ah bah franchement, je regarderais, tiens, la tête du truc. Je t'avoue que ça me... Oui. Ah, l'antivirus qui s'est mis en marche. Y a rien sur votre PC, merci. Mais laisse-moi jouer. Je l'ai. The control wheel to mount on a plumbing system. C'est sur Amazon. Ok, bah franchement, j'irai voir parce que une horloge hein, qui fonctionne avec patate. Avec une patate, franchement, je veux voir la gueule de l'engin. Note à l'attention de perte au personnel. L'incident de la semaine dernière a occasionné de graves dégâts sur l'infrastructure, ainsi que l'arrêt des expériences en cours. C'est inadmissible. Dorénavant, les vannes permettant d'actionner les robinets de gaz devront être mises dans la salle de stockage. Après chaque utilisation, en outre, vous devez tenir le registre des utilisations à jour. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Ah putain, crochetage. Oh, dites-moi que j'ai assez. This padlock is too complicated for me. Oh non, c'est un échec. Padlock won't give. Oh non, c'est un échec. Oh, ça c'est la merde. Ah, voilà les vannes. Elle est déjà dans le rouge. Now for the next step. Rouge. On va faire sauter les vannes, c'est ça? Note de service. J'ai réparé comme j'ai pu votre machine, mais la tuyauterie a été endommagée. Je crains que le gaz ne s'échappe. Ok. J'ai joué un petit peu. Valve controls the pressure. J'ai joué un petit peu. Le but. Bah le but c'est de résoudre un mystère parce qu'on enquête sur une mort étrange et mystérieuse d'une femme dont le père est certain que c'est un coup monté parce que sa fille ne se serait jamais suicidée, n'aurait jamais mis le feu à sa maison, à sa femme, là où il y avait son fils, son mari. Donc elle veut qu'on élucide le mystère, il y a quelque chose de louche
et il a reçu une toile énigmatique et horriblement sombre. Donc il y a un truc mystique bizarre là-dedans. C'est Cthulhu, hein. C'est Cthulhu, il y a du paranormal, il y a des dimensions. Doctor. Et donc c'est Pierce, notre enquêteur alcoolique. It's impossible to break this chain with my bare hands. Putain, je peux pas faire sauter ça. Et c'est Pierce qui enquête. Donc là, en fait, on est enquêteur. En gros. Et on va tomber sur un truc paranormal, Lovecraftien, en fait. Voilà. On va se retrouver embarqué contre notre gré. C'est un peu ça le but. Mais à la base, tout part d'une enquête. Pour pas perdre notre licence, on est obligé de prendre une enquête. Il a pris celle-là. C'est la première qui lui est venue, qui lui est tombée sous la main. It's locked. Putain, c'est fermé. Et ça, c'est pour me planquer. You're fine. You can see me. Let's calm down. No, no, no! Pain is just information, dear Francis. Invaluable information for my research. Kill me! Kill me! What? D'accord, c'est le médecin fou. Kill me, he will. My poor friend. Bon, on est d'accord tous les deux, il est mouillé ce médecin là. Non mais arrête là, tu soignes pas ton patient mec, qui te va faire croire ça? Tu soignes jamais tes patients mon gars. Alors Snacky, sens de l'orientation mon grand. Ah là, j'ai accès aux cuisines. Ah, attends, stockage. Mais je suis nul en crochetage. Où c'est le crochetage? Professionnel éloquence. Donc ça doit pas être ça. Investigation représente votre talent d'enquêteur, mais c'est pour prendre votre chance de comprendre les deux événements passés, analyser une scène de crime ou un objet et de crocheter les serrures. Ah mais je suis rang 4, je suis un expert. Putain, c'était une serrure de niveau maître. Ça fait chier en vrai ça. Yes. Perfect. Personne, j'espère. J'aime pas, j'arrive dans une pièce. Je sais pas ce qu'il y a derrière ce gros truc. Personne. Ok, j'ai l'impression qu'il a une ronde. Il faut faire vite. Il faut trouver un truc sur les étagères. La deuxième vanne. Mais j'ai pété le. J'ai pété le crochet pour ouvrir la porte. Comment je fais du coup? Cul-de-sac, cul-de-sac. Il a la flèche. Merde, il m'a vu.
faut déduire qu'il m'a oublié s'il n'y a plus la flèche. Et merde, j'ai pas vu où il est allé. À gauche, je suppose. Ouais, il va à gauche. Ok, là, j'ai une ouverture. Ah, c'est le bureau. Vite, prends tout. Putain, j'aime pas quand l'écran devient comme ça. Est-ce que Pierce est en train de stresser? Est-ce qu'il va faire une couille? Putain, bouge pas, Pierce. Surtout. Parce que tu vois, il y a le cœur qui s'accélère. Je me demande s'il va faire une merde à force de rester là-dedans. Il va péter un câble. C'est bon, on sort. Calme-toi. Putain, il est claustrophobe, en fait, notre personnage. J'ai des clés. Yes. Ah mais attends, j'ai peut-être les clés pour le somnifère. Il revient. M'a vu. J'ai peut-être les clés pour trouver le somnifère. Parce que j'ai trouvé une vanne, mais j'ai pas trouvé les somnifères, en fait. Et j'ai battu un alien, mon gars. En mode cauchemar. Mourra pas. Les risques. Je suis une ombre. Il y a quoi par là? Ah, il y a le gars. Ah, et c'est vrai, il y a les trucs de courant électrique aussi qu'il faut que je trouve. Je me demande si le cuisinier, en repassant là, il va me voir par la fenêtre. Oui, hein. Oui, il me voit. Oh, je suis mal mis, là. Oh, je me suis coincé. Je me suis potentiellement bien coincé le fion. Ok, le cuisinier s'est mis en marche. Oh putain, c'est au poil de cul, hein. Where do they keep their sleeping pills? Ah, c'est bon, voilà, j'ai les stocks. Oh là là. Oh, Prozzy! Comment tu vas, Prozzy? Scopolamine, morphine, opium, nothing but common drugs. Comment ça? Somnifère! My new friend's sleeping pills. Allez, on se casse! Tiens, il y a le cuisinier qui vient juste de se barrer. Câble. Impeccable. Tout ça en boîte. Bon, j'ai des clés. Pour ouvrir des portes ou pas? Dites-moi que je peux ouvrir la porte avec les clés. Oh non. It's no use. The padlock won't give. Ah, fichier.
Comment ça va? Bah écoute, ça va. J'ai dû faire une pause pour des raisons personnelles, copain. Mais ça va, on est revenu. On est revenu. Bon, j'ai un peu changé les horaires. Je fais du, je fais des nocturnes. Donc, je suis un peu décalé en ce moment. 21h minuit, je peux plus pour le moment. Je peux plus 21h minuit, donc là je me retrouve à faire du... It's impossible to break this chain with my bare hands. Ah oui, mais là je peux pas casser ça en fait. Ah mais on est baisé. Le coup des vannes, c'est foutu. Et merde. Tout ça parce que là... It's no use. The padlock won't give. Tout ça parce que le cadenas est pété. Mais je te rassure, c'était rien de grave. C'était des problèmes avec la famille, l'entourage. Mais pas de problème de santé grave en fait. Donc ça va. Est-ce que j'ai essayé cette porte? Oh. Et toi, ça va, Prozy? La forme? Vacances ou pas vacances? Ah bah tiens. Ah, c'est le câble vert. It's done. Now for the others. The door is blocked on the other side. Est-ce que c'est potentiellement la porte que j'ai bloquée? Oh, salut Jugolo! Comment tu vas, copain? Oh putain, ça fait plaisir de tous vous revoir là. Tiens, voilà. As-tu fini le chef-d'œuvre? Oh, le Red Dead. Non. Non, mais j'ai bien... J'avance. J'avance, Jugolo. Bientôt. Putain, mais pourquoi tu stresses? Il doit être claustrophobe. Il doit être claustrophobe. Allez, on se casse. Ah ah. Finalement, finalement tout se met en place. Ok. Je suis prêt à tout faire péter. Un dinosaure. Ah merde, j'ai pas le... j'ai pas la musique sous le coude. Ouais, mais oui, c'est ça, il y a aussi les machines. On a mis quelle couleur? On a mis le vert, attends. On peut pas me voir, le médecin. On est d'accord, ça c'est vert. J'ai la morphine pour l'autre mec. Oh, oh, oh. Faut pas que j'oublie qu'il y a... Voilà, qu'il y a le cuisinier là-bas. Ouais, vert jaune, c'est bon. Bleu rouge. On va suivre les câbles. Oh mais là je m'enferme. Bon, il n'y a pas le bleu, mais il y a le rouge ici. Ok, voilà la machine, elle est à côté de celui-là. Il faut absolument qu'on bouge ce mec.
Peut-être avec le gars qui a les somnifères. Ah mais lui il tourne. Donc s'il tourne, on a vu que s'il tourne, je dois passer par ici. Comme ça je le suis. Il fait sa routine. Je le laisse. Donc il faut qu'on trouve le bleu. Voilà, il fait sa routine. Nous. Pas été là. Zoology, esotericism, mineralogy, Sarah Hawkins. Dossier médical. She was a patient here. De Sarah, elle a été patiente chez les dingues. Dementia, self-inflicted wounds. Le mec des somnifères, oui, je me souviens. Anatomy, anthropology, nothing ça, surprising. Ça a pas l'air si grand, l'air de rien. On tourne vite en rond. Attends, si je dis pas de bêtises. Si on passe par là, on arrive dans la pièce centrale. Non, c'est pas une porte. Donc si on passe ici, pièce centrale. Ça, c'est la pièce qui est au centre de tout. À partir de là, il y a quatre directions. Ça, c'est la porte d'entrée. Ici, à gauche, on a le mec au somnifère. Voilà, tu vois. Voilà, ça c'est le gars au somnifère. Mais où est la machine bleue? Donc lui, je pense qu'il va faire diversion. Il va nous permettre d'atteindre le générateur rouge. Mais où est le bleu? Allez, je vais lui donner, Je cherche le bleu parce que le bleu, je l'ai toujours pas trouvé. Le bleu m'inquiète un peu. Ah, il repasse ici. Putain, mais j'ai pas pour... Ah, bah si. Ah, voilà, voilà le câble bleu. Hein? C'est juste ça, le bleu? Theoretically, I've only got one lever to push. Putain, c'était... Le bleu, il est dans la pièce. Putain, mais je suis trop con. Impeccable. Il faut que je sache où est le mec qui fait sa ronde. Parce qu'il y en a un qui tourne. Faut que je sache où il est lui. Il passe dans ce couloir-ci, non, il me semble. Là, je suis sûr, il viendra pas. Ah, le v'là. Ah oui, mais je me mets où, quoi? Lui, il va faire diversion, il va faire du boucan. Je me cache où, moi? Je me cache où? Est-ce que j'aurai le temps d'aller là? De se cacher, ici? Ah. On peut se planquer, ici. M'a l'air ma foi tendu, mais là on peut pas s'effermer. J'aurais pas forcément beaucoup de temps. Putain, ça va se jouer au poil de fion. Ok, le voilà, on y va. Je pense que le timing sera serré. Fais-moi voir, tiens, donnez le univers. Et prends. And remember, they don't come for free. Don't you worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. Va te cacher. The crows, they're everywhere. Make them go away. J'espère que ça fait déplacer le mec qui est là. Yes. On a accès au générateur rouge. Va falloir y aller vite hein, parce que le timing va être serré. Et je veux pas faire de bruit. Et j'espère que le gars à gauche qui fait sa ronde ne va pas me voir parce que là je suis cuit. Je suis cuit. Elle est où la machine?
Elle est à l'intérieur de ce bâtiment. Oh non. What carnage. Ok. Mais la diversion, elle va pas durer longtemps. Comment je fais pour me barrer d'ici, moi, après, s'il reprend sa place? Parce qu'il va, il va se mettre là, en fait. Il va se poser là, là-haut. Attends. Je peux fermer la porte. S'il voit une porte se fermer, il va attaquer. Mais... Ah bah, il soupçonne rien. Voilà. All the levers are activated. Ok, tous les leviers sont bons. Et ça, c'est pour me pas... Ah, et c'est pour me cacher. Je suis obligé de ressortir par la porte d'entrée. Tendu ça, Polo, hein. Il fait encore diversion, j'espère. Ou je suis baisé. Il a pas l'air d'être là, je crois qu'il fait toujours diversion. Je tente, je sais pas où il est, mais je tente de passer. T'as mis la camisole, mon gars. Oh putain, il a dû le piquer. Putain, je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave, je sais pas où il est, mais c'est pas grave. Ah, j'avais pas fait ça. That should draw the attention of the guards. I should hide. Damn it. What's going on? Oh, c'est pas grave. On rush. Ils m'ont pas vu. Si, 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 ils ont vu Snacky. Ils t'ont trop vu. Où je suis là. T'es obligé d'allumer avec ton... Oh, il arrive. Oh, il arrive. Le timing était pas bon. Oh, le timing était tellement pas bon. Où je suis là? Ah, j'aurais dû tellement faire le grand tour, ils sont arrivés tellement vite. Oh, tu parles de timing, quoi. Ah, je suis dans le truc des manivelles. Je peux y aller là. Je sais pas où ils sont, mais ils sont partis. Yes. Damn. Ah. Ah, cinématique. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Vous avez besoin de soins, mais on est nul en médecine. Que vous ont-ils fait? Réponse débloquée. Ok, qu'est-ce que vous en faites? You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? Ah, mais il a été drogué. You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes, and yet I told him that I didn't want them. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah.
Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Sarah Hawkins aurait invoqué cette malédiction? In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you! No, don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it! That's how it finds you! What finds me? Sarah Hawkins' visitor! The Shambler! Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! What the hell? I gotta... Ok. J'aime bien les sessions RPG sur table avec les potes. This is insane. Ah mais là... What killed him? C'est un RPG à la Lovecraft. Il a fait un échec critique. Tu lances les dés de folie. T'as fait combien? 4. Ok. Tu battes un câble dans le manoir car des bites avec des ailes de chauve-souris à la place des couilles foncent vers toi en criant. Putain, il faut que tu sois MJ de jeu, quoi. Moi, je participe. Hein. Je vais à ta table. Bon, attendez. Tant qu'on est là. Hein. Ah ah. Ah ah. La vraie sortie. Oh putain. Oh, je me suis fait gazer. Oh non, c'est un piège. Damn. The gas. Oh. My head. Later. We need to move on. Manoir Hawkins. Oh putain, le piège. Le piège. Mais on a été trouvé par le policier. Policier qui s'est fait embrocher. Oui, on est dans un Lovecraft. Il s'est fait embrocher, mais on n'a pas vraiment vu ce qu'on a vu. La folie, tout ça, tout ça. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ce mec s'est fait embrocher dans l'épisode 1. Mais il va bien. Cthulhu ! Des tentacules ! Les tentacules du haut. Je te vois. J'ai l'œil partout. Et j'ai les tentacules qui vont partout. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Ah bah tiens. Elle est là. L'infirmière et l'officier. Putain, profitez. Hein. Profitez du soleil. Voilà. Parce que ce jeu se passe essentiellement de nuit. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on enquête et qu'on arrive sur le lieu de l'enquête, il fait nuit. Et il se passe du bordel surnaturel. Alors là, il fait jour. Profitez. Hein. Profitez, il y a du soleil. Ça arrivera pas tout le temps dans le jeu. Il fait nuit. La météo est dégueulasse. Il y a du brouillard partout. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Alors attendez, il y a une question que je me pose, madame. Mais ils sont naturels? Et ça pend.
Ah non, elle a une poitrine qui pend bien, nom de dieu de merde. Vous n'avez pas un soutif pour les retenir un petit peu, là? Oh, vous n'avez pas de soutif. Oh là 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 là. Oh, dites donc, vous êtes avant-gardiste, vous. Bon, allez. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the Force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Encore une vision d'horreur. Parlez à Bradley, tiens. Vous avez pourtant vu Charles vivant. Vous devriez être mort. Ben, il t'a pas besoin d'être un expert en médecine. Je sais que ma compétence médecine est basse, mais tu l'as vu se faire embrocher. Je suis pas médecin, mais vous devriez être mort, quoi. Putain, je peux pas lui poser la question, quoi. En fait, je vous ai vu vous faire embrocher, mais comme je suis nul en médecine, je vous poserai pas la question. Oh putain. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Genre, c'est de la musique sans faire exprès. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Rien de plus concret. Ah, votre mémoire semble vous faire des fous. Vous et le docteur Colden. Bradley. D'abord celle-là. What do you remember? Ça sort en 2018, c'est l'élève, ne bouge pas en parlant. The night we went into the Hawkins le budget, il est pas ouf. Hein. You don't seem to remember the tunnels. On est d'accord, Jugolo, le budget, il est pas terrible. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then... Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital. And called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel. Ah, ils sont petits, quoi, il y a deux mois en plus. Let's talk about something else. Sans être vraiment dégueulasse, dans certaines finitions, tu sens que le jeu laisse un peu à désirer. Partie pré-artistique, peut-être, écoute. Tout se passe dans l'esprit, hein. C'est Lovecraft, la folie, tout ça, tout ça. Ah, maintenir pour tester votre psychologie. You two know each other pretty well. It's a tiny island. Everyone knows everyone. J'ai réussi. Especially since I'm a police officer and Marie's a doctor. The chemistry is obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Anyway, let's get back to the business at hand. Revenons aux choses sérieuses, hein? Ok. Parlez à Colden. Fuller a fondé Riverside. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Putain, c'est pas qu'il règne par la peur. Il règne grâce aux psychotropes et à la drogue. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Oui, c'est vrai que, justement, le papa de Sarah est venu nous voir pour demander d'enquêter parce que sa fille a un dossier médical
elle est psychologiquement instable, mais pas folle, mais voilà. Et du coup, la police jouait là-dessus pour lui mettre le meurtre de sa famille sur le dos. Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains and tools of all kind. Yes, I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan, and I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Bon, elle est avec nous. Il faut juste convaincre le flic. Parler à Bradley. J'ai peut-être une piste. Ouais, j'ai... Attendez, ouais, ils m'ont fait subir. Ce qu'ils m'ont fait subir, c'est atroce. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? Vous m'avez en... There was that ils m'ont piqué quand même. Dr. Fuller. And a nurse. Blood. Everywhere. Ils m'ont injecté des trucs. The pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. Bah, ils m'ont injecté quoi? I woke up at the institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? C'est vrai qu'on est à une époque où les femmes médecins, c'est un peu juste extraordinaire, parce qu'elles sont cantonnées au rôle d'infirmières, elles n'ont pas le même statut que les hommes. Et donc c'est sûr que si elle essaye de dénoncer quelque chose, entre sa parole à elle et la parole d'un homme médecin réputé, tout le monde croirait le mec, hein. Elle n'a aucune chance. Il lui faut des preuves. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Il l'appelait le vagabond. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. J'ai été la chercher, we don't know the bottom of it. Vous avez dit le vagabond? Le vagabond. Mieux vaut affronter la vérité. Restons prudents. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Ceci va affecter perhaps votre destin. I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Okay. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Ok, j'espère que ça va l'affecter en bien. On va être prudent. Je peux pas me servir un verre là parce que je crève de soif. Parler à la veuve Sanders. Est-ce qu'on a gagné des points? Putain, on a des points. Écoutez, ça a l'air d'être une investigation. Les objets cachés, 6 points.
psychologie, éloquence. Je peux pas mettre des points, vous voyez, occultisme, médecine, faut que je trouve des livres. Si j'ai pas de livres, eh ben on reste une bite quoi. Donc, tu vois, on est un novice, on est tellement nul en médecine que quand un mec se fait littéralement empaler, on n'est pas sûr qu'il est mort et on lui demande, on lui pose pas la question en fait. Parce qu'on est trop nul en médecine, hein, donc, on sait pas, alors on pose pas de questions. C'est débile ça par contre, putain, il me manque un livre et il serait quand même un peu meilleur. Niveau 2 c'est quoi? C'est amateur, ouais. En tant qu'amateur je pense qu'il poserait la question. Parce que j'aurais bien voulu savoir, moi, parce qu'il pour, il a été empalé, on l'a vu se faire empaler, mais le mec il est vivant, il est devant nous. On peut pas lui poser la question. Ah, je dirais les objets cachés. L'éloquence. Influencer vos interlocuteurs par le discours. Augmente vos chances de convaincre ou de manipuler lors des dialogues. Ah, j'ai bien envie de manipuler les gens, moi. Voilà. Et puis après, les objets. Parce que si, trouver les objets peut être utile. C'est quand on, c'est quand on arrive dans une pièce, on a un indicateur pour savoir s'il y a un truc ou non dans la pièce. Un truc important. Ça, ça peut être utile, hein. Super utile. Les manivelles, par exemple. Les manivelles, quand on était dans la pièce de la manivelle, on avait le point d'interrogation. Parce qu'on aurait pu les chercher longtemps, les manivelles, en vrai. Mais finalement, ça nous a pas servi, ça. Quand j'y repense, on a fait une diversion avec la machine. On n'a pas fait de diversion avec les manivelles. C'était peut-être la même, je sais pas. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Oh, c'est Kat! Oh là là! You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating France's death? Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Toujours là où il faut pas, Kat. Elle est louche, hein. Bon, elle est chef de gang, à 24 ans. Allez savoir pourquoi. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Bah, je fais une petite parenthèse avant de répondre. Faut savoir que Kat, 24 ans, elle mène ses hommes à la baguette, elle les tient par les couilles. Parce qu'elle en a castré un. Et elle a fait des sourires du Joker. Vous savez, le Joker de The Dark Knight. Ah merde, j'y connais le micro. Elle a fait des sourires du Joker, comme ça, littéralement. Donc c'est, tu ouvres depuis la lèvre, tu ouvres littéralement avec un couteau sur le côté, tu montes sur la joue, là.
au flic, au policier, Bradley. C'est parce que on peut pas vraiment zoomer sur les visages, hein, c'est pas... Voilà, mais Bradley, si on le voit dans une cinématique, regardez les visages de Bradley, il a une cicatrice à la Joker dégueulasse. Et dans le lore, je pense qu'elle a été faite par Kat. C'est pas dit, mais je pense que c'est elle. Donc du coup, à mon avis, il en a peur, je pense. Vous ne devez pas vous sentir coupable, psychologie, score suffisant, des mots hurlants. On va la jouer soft. Hein. On est psychologue, on va essayer de rassurer la veuve. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Alors, écoutez, c'est arrivé devant moi, mais... Il a vu comme qui dirait un truc qui s'appelle le vagabond. On sait pas ce que c'est. Mais ça l'a bouffé de l'intérieur. Je n'y suis pour rien. Le vrai responsable, c'est Fuller. Tester éloquence. Alors, on la joue cool, on teste. Mrs. Sanders, I understand your ça grief passe. And I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? You mean it was not an accident? Oh, this accursed island knows only tragedy after tragedy. You too would be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Le gardien de la crypte aimerait bien ce jeu. Oui, je pense aussi. Ça me fait chier, parce que, Juggalo, parce que combien de fois j'ai dit que je vais paramétrer les raccourcis pour Voxmaker, là, enfin, oui, c'est un truc dans le genre, là, le nom du logiciel. J'ai toujours pas fait, quoi. Il faut vraiment que je me prenne un moment pour configurer les touches. Ah, bah tiens, dites-moi, votre mari vous a-t-il parlé d'un... vagabond? Ah ben merde, la musique a pas démarré, hein? Bon, effet un peu raté. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Okay. Did she really care for him after all? Il a reçu votre missive dans laquelle vous réclamiez le corps de votre défunt mari. Je suis heureux de vous annoncer que je ne puis consentir à vous remettre sa dépouille. Vous avez signé, lors de son internement, une décharge m'autorisant à disposer de son corps de la façon que je jugerai le plus appropriée. Ça en dit long sur le monsieur. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Ça en dit long. Reconstitution. Ok, attention. Il va partir en trip. Oh, bad trip! Oh putain! Je vois des choses. Je vais te passer dans un monde parallèle. C'est pas possible autrement.
Vite. Où est-ce qu'elle est ma musique d'enquêteur là? Investigation. Ah ah. Ah ben ça marche, Jugulo. C'est gentil d'être passé, copain, tu sais. Hein, c'est... Je me doute que c'est pas facile, hein, les nouveaux horaires, là, les nocturnes. The House of Artists. Mais t'inquiète, Jugulo, c'est très gentil d'être passé, copain. Une tasse. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Amis? Oh. Ou plus que des amis? La petite madame... Oh. Bon, la petite madame Sarah a l'air bien... a l'air très charmante. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Aha, elle ne voulait pas céder le tableau, elle l'a fait gratos. Oh putain, elle a voulu lui refiler la malédiction en gros. C'est son ami, mais écoute, tiens, il y a une malédiction sur ce tableau, tu prends. C'est dégueulasse. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Ouais, lui, il a l'air enchanté, sa femme traumatisée, et Sarah, à mon avis, se doit se dire, je suis débarrassé de cette merde. Ça a l'air quand même très glauque, le tableau. Hein. C'était pas jouasse, hein. Was she jealous of Sarah Hawkins? Ah, ou jalouse. Oui, c'est vrai. Vénère et jalouse. En même temps, elle est... Je veux dire, bon, vous êtes un peu enrobé. Elle est svelte et mince. T'as une coupe. Bon, je vais dire d'époque, pour être poli. Mais en vrai, dégueulasse. Tandis qu'elle a une coupe queue de cheval sympathique. Mignon, avec petite mèche. Non, y a pas photo, hein. Elle est plus sexy que toi, hein, ma grosse. Tu te relâches, Giselle. Tu te relâches. She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Ah, elle est dévastée maintenant. Oh, bon. Non mais tu lui as cédé gratos, faudrait savoir aussi. Putain, il est louche. Ah! The Shambler. I need to see it. D'accord. Bon, autant pour moi. J'ai cru que c'était le médecin fou, là. Le taré de Fleur qui avait enlevé les yeux du mec. De Sanders. Pas du tout. Il s'est arraché les yeux lui-même. D'accord. Médecin niveau 2. Oh putain, enfin. On sera peut-être un peu moins con. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Phonographe? Ok, putain, il faut trouver un phonographe. Oh bah tiens. Ne serait-ce pas un phonographe? Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter. Except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings, that accursed Sarah. Ouais, en même temps, il collectionnait beaucoup de tableaux chelous. Même celui-là, il est chelou. Attends, il y avait du sang là ou c'était un bug graphique?
I could use one of those. Mais tout le monde dans cette ville est drogué au somnifère, apparemment. Another volume of the Reverend's wife's diary. Le journal de la femme du révérend. Moi, j'aurais préféré le journal de la femme de chambre argonienne. Mais c'est pareil. Ah, je peux forcer. Ah, c'est son coffre. Je force ou je force pas? On va parler à la jolie cat. Oh là là. Sexy. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Alors, je viens vérifier les toiles pour un acheteur. Oh, ça c'est un peu un gros mytho, ça. Je ne viens pas causer d'ennui. Ouais. Ah, parce qu'on n'est pas un bon menteur. Maintenir pour tester. Allez, je tente. I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Perfect, detective. The pretext, the body language. I would have bought it if it was the first time I'd seen your face. Je le savais. You're a good talker, Pierce. Your story will do for the moment. Ah putain, elle nous a eu. Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que tu fais ici, ça? And you, what brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Trop crevé pour du Red Dead. Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network. And a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. On est plutôt bien. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Quoi? Je t'ai pas écouté. Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting. Finally give it away for nothing. A strange Amerindian pendant. Oh, une amulette amérindienne. La trappe-rêve. Où j'en suis? J'en suis... Où Dutch... Dutch et nous, on veut se venger de... D'Angelo Bronte. Et on a croisé le crocodile légendaire, je pense. Gros crocodile gigantesque qui a un peu la peau blanche. On a croisé le crocodile légendaire dans le La Grasse. On en est là. Comme je t'ai dit, l'indicateur d'histoire me dit que je suis à 50% ou 51%. Donc je suis pile à la moitié, quoi. Oh. Médecine. Souhaitez-vous consulter ce livre? Oui, non, rien à foutre. Ah, il n'y a pas le rien à foutre dans les choix. Oh non, moi je lis, moi. Non, mais moi je suis curieux, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Malleus Bestiarium, volume 2. Le Malleus Bestiarium, volume 2. Putain, c'est du latin. C'est une sorte d'encyclopédie de créatures monstrueuses et inconnues. Je commence à croire qu'elles existent. Ah, c'est un bouquin de Lovecraft, quoi. Ah, ça va impacter mon destin. C'est une créature de Lovecraft. C'est un bouquin de Lovecraft. Elle est fan. Allez, je peux pas y aller, quoi. Examiner le vagabond. Ah, j'ai envie de forcer. Ou alors je demande la clé à la grosse. Méchant de l'appeler comme ça. Ouais, les autres portes. Non. Les autres portes, c'est mort. Est-ce que je peux avoir les clés? Ah, d'accord, on ne me parle pas. Bon, ben là aussi, tu cherches le jeu. Hein.
Tu veux que je force et que je crochette? Ah bah écoute. Allez, hein. Je suis désolé, mais vous m'avez pas laissé le choix. Les animations pour ouvrir les portes sont bien faites. Les animations pour les refermer, il n'y en a pas. Pas de budget. Pas de budget pour fermer les portes. On a tout donné dans l'animation des portes, mais on peut pas les refermer. Alors on fera une animation un peu low cost pour la dernière. These artifacts date from pre-Columbian times. Est-ce que c'est une paire de couilles? Il est monocouille? Putain, sacré paquet. Ah, mais c'est la galerie aux horreurs. Non, mais à peindre des tableaux pareils, évidemment qu'on l'a pensé totalement disjoncté, la Sarah, là. Ouais, mais avec des trucs pareils, qui serait pas disjoncté? Why was he so interested in old weapons? Ah oui, tiens, c'est des... De l'huile pour la lampe. On a celle-là et celle-ci. Celle-là, c'est bien pour faire fuir les monstres, mais ça consomme, je crois. Voilà, là, quand j'illumine à fond, ça consomme à droite. On a de l'huile. Ça, c'est bien, ça. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Ok, la pièce maîtresse, examinée. On n'a pas d'armes, il me semble. On va devoir la jouer en mode alien. Isolation. Oh non. Ceci dit, on a la lampe à lui. Oh putain, oui. What the hell was that? Je dirais que c'était le vagabond. Il est là. Cela dit, on a la lampe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,
Kiki, merci Kiki. Et coucou Kiki. Et bonjour aux personnes de Kiki, ça fait très gentil. Bienvenue, bienvenue ben, sur du Cthulhu. Ah oui, je sais, 3 mois après tout le monde, mais Cthulhu quand même. Bon, on s'est fait... Ah, c'est fait. Mais c'est gentil, Kiki, merci. Ça a été, toi? T'as passé un bon live? Putain, on s'est fait embrocher. La lampe, ça marche pas. Ah, tant mieux, c'est le principal. Tu fais du Tale of Xillia? Ah oui, c'est pas la même. On est d'accord. On est d'accord. What the hell was that? Bon, c'est du Alien Isolation, il one shot. Ok. Si, il m'a vu. Pas déjà. Je peux pas jeter un œil? Si je peux pas jeter un œil, comment je fais pour le voir, moi? On se casse. C'est quoi ça? Is this dagger part of Sander's collection, or was he seeking to acquire it? D'accord, bon, on va trouver la dague. Oh merde. J'ai absolument pas regardé les dagues. Non. Tu m'as vu? Fouille. Il s'en fout. Ok, il s'en fout. Ah, la lumière, ça marche pas. Ok, note pour moi-même. La lumière, ça marche pas. Alors pourquoi est-ce que je me trimballe avec une lampe à huile? Je peux l'éclairer avec mon briquet, je suis sûr que ça marcherait mieux. Bon, je crois qu'on va passer, parce que c'est un peu long, voilà. What the hell was that? Ok, je prends mon briquet. Où t'es? Allez, viens. J'ai pas peur. On kite! Kaité va être difficile aussi. Eh ben on n'est pas dans la merde. Oh, on n'est pas dans la merde. What the hell was that? On n'est pas dans la merde. Ah mais je peux pas jeter un œil, c'est pas du jeu, madame le juge. Parce que je sais pas où il est, moi. C'est pas au juste. Hein? Quoi? Mais...
sale bête. Je crois qu'on court plus vite que lui. C'est bon signe, ça. Damn. This dagger looks different. Me dites pas que c'est la bonne dague. Il est où? Tant pis, j'essaye. Hein. Putain, c'est la bonne dague. Le monstre sur le seuil. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Ah bah un peu. T'as pas vu? La toile était maudite. Occultisme insuffisant. Voilà, elle ne croira jamais. J'ai été attaqué par une créature. J'ai juste trop bu. Ouais bah, va nous prendre pour un con, quoi. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Voilà. T'as rien entendu? I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Et vous me livrez cette info gracieusement. Ah bah avec elle, y a rien qui est gratuit. Hein. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Ah oui, mais si elle est de mauvaise humeur parce qu'on a brisé le coffre où il y avait la clé, j'ai pas pu faire autrement. J'ai voulu aller lui demander pour ouvrir la porte, elle a pas voulu me parler. J'étais censé faire comment, moi? S'il y a une autre astuce pour le passage, là je l'ai pas trouvé. Where is the bookseller? Alors, inspectez la librairie. Oh, attention, l'enquêteur pire, c'est de retour. Ah bah tiens, la lampe à l'huile. Non mais tu sers à rien, toi t'es juste là pour éclairer en fait. Alors, ça sert à quoi de te braquer comme ça en mode... Vous ne passerez pas, lumière de folie! Si t'es même pas foutu d'arrêter la bestiole, m'explique.
l'histoire de Darkwater volume 2. C'est pour voir mieux les bouquins. Il y a un grain de poussière là. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Oui, c'est gentil, Kiki. Bonne nuit. Des bisous. Merci. Repose-toi bien. Et encore merci d'être passé. Ça fait toujours zizir de te voir, Kiki. Ah, je sais pas si t'as les notifs, mais je t'ai en host automatique sur la chaîne. Oui, moi je suis curieux, hein, je consulte. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Alors, ce recueil catalogue et classe des créatures dont je n'avais jamais entendu parler. Divinité venue des étoiles, créature capable de voyager d'une dimension à une autre, il se présente comme l'ouvrage de référence concernant le bestiaire de mythe, sans préciser à quelle mythologie il se réfère. Ses pages sont couvertes d'illustrations fantasmagoriques. Mais c'est le vagabond, ça. Ou pas. Ou c'est en est un autre. Si, ça c'est le vagabond, ça. What happened here? Let's start over. Allez, where did they break in from? Attends, hop, tac, tac. On met une enquête. Ah, dans toute la Bible, c'est parti. Blood. Seems like amateur work. Travail d'amateur. Mm-hmm. Trace de sang à suivre. Someone tall left this footprint. A man, probably. Là, on peut pas aller. This burglar seems to be rather clumsy. What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the? Charles Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. What killed all these animals? Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Alors, combinaison de coffres. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est quand même bien dégueulasse en fait. Alors, je veux bien que le bouquin soit mystico, maléfique, démoniaco, tout ce que vous voulez, mais comment elles sont arrivées là, ces grosses bêtes là?
Ah ouais. Ouais. Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Arkham editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Oh, tout ça, ça va faire partie de la combinaison du coffre, c'est ça? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Things are not looking good. A kind of chalice. Ah, mais c'est... C'est le Graal. A kind of chalice. Ce calice semble très ancien. Il semble être fait d'or et orné de pierres précieuses véritables. Les rubis et les saphirs forment-ils un motif spécifique? Le Saint Graal. Arthur a tellement cherché après, en fait, il est dans une bibliothèque. And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Voilà, premier indice, le Graal. Attendez, ça je vais fermer parce que c'est chiant. Voilà. The chalice of knowledge. Ah non, il a parlé des pierres précieuses, cool comme le sang, les rubis. On a combien? 1, 2, 3, 4... 5 5 OK, pencher à gauche, ce sera 1. Donc 1 2 3 4 5 Et là, on est penché à gauche, ça, on revient à 1. 5. Enfin, moi j'espère. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. God save the Queen, comme on dit. Donc il parle des pions blancs. Il en reste 4. Et ça, c'est la reine. Donc c'est 4. Si la reine compte, c'est 4. Et si la reine compte pas, c'est 3. 5, 4 ou 5, 3. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. Et donc, il parle des pions. 3, 5, 3.
dear friend. I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. À moins qu'il y ait un piège, il dit volume 9. Il donne le numéro, mais est-ce qu'il y a potentiellement un piège? Drake talked about a particular volume. Une collection de volume 9, une collection de poèmes par Edward Beckman Derby, aussi connu comme les paroles cauchemardesques. Cette collection de poèmes a été extrêmement bien vieillie. Ok, est-ce que ça dit partout pareil? So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Roi Salomon, il contient des livres. Non, c'est pas partout pareil, mais il n'y a pas d'aide. What did Drake say about this collection? Publication 1908, Derby avait seulement 18 ans. Est-ce que tout ça c'est des indices? Ce volume fait partie de l'anthologie d'Arkham, une collection luxueuse de traités et de travaux à propos de l'ésotérisme et du surnaturel. Ah, changer les cadrans. Bon, mais... Ah, c'est ça. 5, j'avais dit 3. Et là, c'est volume 9. Bon, ça va, c'était gentil. Elles étaient faciles, ça va. Alors, Institut Riverside. Dans la librairie sans nom, Pierce a remonté la piste d'une tentative de cambriolage avortée. Il a découvert que Charles Hawkins était à l'origine du méfait et a ouvert le coffre-fort. Ah, donc on est sûr que c'est Charles Hawkins, la créature, là? C'est sûr, c'est l'homme avec l'espèce de tentacule à la place du bras et au visage difforme, c'est Charles. Donc le mari de Sarah. Donc l'origine du méfait et a ouvert le coffre-fort du libraire pour y découvrir ce que ce dernier et Sarah Hawkins y avaient caché. Un livre relié de peau humaine semblait attirer le détective. Lorsqu'il l'a ouvert, sa conscience a été projetée dans un autre corps. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. On va contrôler l'infirmière? Of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. What can you tell me about him? Ah mais oui, c'est ça, on est Marie Colden. On est donc l'infirmière qui nous a sauvés. Enfin, on a été projeté dans son esprit, c'est ça. Dossier médical. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us.
Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. Tiens, d'ailleurs, Fuller, derrière, il est avec Fitzroy. Est-ce qu'au début du jeu, il a pas dit qu'il se connaissait pas, lui? What are his symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out. And I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, donc là, on parle de la fille qu'on a vue chez Irène, la jeune. Mademoiselle Baker, donc Cat, quoi. La chef de gang. That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? On va l'ausculter. Very well. I'll examine him. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Ouh, il va y avoir des mots scientifiques là. Je pense qu'on va pas comprendre grand-chose. Enfin, his skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Oui, c'est vrai que Mary Colden, qu'on joue, est quand même docteur. Ce qui est pas rien pour l'époque, puisqu'elles étaient, les femmes étaient souvent cataloguées en infirmières et rien d'autre. Donc une femme médecin, c'est pas rien quand même. Il a quelque chose dans le ventre. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Mais on est d'accord que pour l'époque, malheureusement, la parole d'une femme et celle d'un homme ne sont pas du tout les mêmes. Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he's pregnant. Marie cherche à dénoncer ce que fait Fuller. Mais il lui faut absolument des preuves parce que we should operate on him at once. Sa parole contre celle du docteur, elle gagnera jamais. C'est une femme et lui, c'est un homme. Juste à cause de ça. C'est triste, mais c'est ça. Elle ne pourra pas gagner. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, he seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Ça devient un poisson, quoi. Son corps se transforme. Ça devient un homme poisson. Ah, oh,
Les origines d'Aquaman. Putain, spoiler du prochain DC. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps. This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. Voilà, exactement ce que je viens de dire. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. Sa parole n'aura aucune valeur et elle va vraiment ruiner sa carrière. Is there no evidence c'est une femme, of his crimes? Hein, dans un monde d'hommes hein, à l'époque. Hein. Putain, heureusement que c'est plus le cas maintenant. Donc voilà, les dossiers cachés, c'est des preuves. Personne ne parle de crime pour l'instant. Les dossiers cachés. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Je serais une tombe. Entre femmes, il faut se soutenir les coudes. Surtout dans cette époque de merde. Hein. C'était vraiment une époque à la con. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Mes cours d'histoire remontent, mais pour le coup, je suis content d'avoir raison. Hay fever. What's he doing here? C'était une période difficile pour les femmes, hein, là. Surtout dans la médecine, profession. De savoir et autres. Doctor, souvent, qui fait la part belle aux hommes, allez. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse, Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution, with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands.
He broke his back in an accident down by the docks. Ah, a whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, is that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? La planque des contrebandiers. Elle en connaît beaucoup quand même. The one that hides the smuggling business. Oh no, not them. They don't go on that side of the island. Everyone in his place. The captain on one side, Cat on the other, and me. Well, I've been to the whaling station, I have. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. Why did nobody tell me about her admission? Son admission. Tiens. C'est Irène. C'est la femme de Sanders, ça. Mrs. Sanders? Ah ouais, pas de réponse, c'est inquiétant ça. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. What is the boiler room key doing here? Clé de la chaudière. Je peux pas la prendre. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Je peux pas prendre les clés. Intoxication from breathing organic vapors. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, doctor, what should we do with this patient? Continue à soigner ses plaies. Ouais, bah, quoi. Mais il a été maltraité, clairement. You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Tout cela vient du sous-sol Thank de Fuller. Sous-sol où on était avec Pierce. I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Fuller totalement mouillé hein, dans l'histoire. Là, je reviens. Oui, ça, c'est Irène. Il est totalement mouillé, le doc, là. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Ça, c'est le policier. Est-ce que je peux vous montrer...
l'état de la cicatrice. Il a une grosse cicatrice sur la joue gauche. Donc à l'écran, là, c'est à droite là. Je suis sûr que c'est Kat qui lui a fait. Vous savez, la cicatrice à la Joker du Dark Knight. Je sais pas comment on appelle ça. Est-ce que c'est pas le sourire de l'ange? Ou justement, on prend un couteau et on entaille. Bah ça, c'est la marque de fabrique de Kat, justement. Je pense qu'il en a peur, du coup. C'est pour ça qu'il arrête pas. Qu'il fait rien contre elle. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patience here. Ok. C'est des randoms. Ethan. Marie, Ah ben on la voit, hein. Regardez à droite. I'm waiting for my medication. La violence de la cicatrice, il a été ouvert de... Why? Du bord de la lèvre jusqu'à super haut. Hein. C'est dommage, il y a une cinématique au début du jeu où on voit bien la cicatrice, elle est gigantesque. Tell me your symptoms. I have headaches. And I can't sleep. Do you suffer from insomnia? No. Look, I don't want you to laugh at me. Ethan, if you don't trust me, then who? I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Voilà, on en a déduit que c'était des symptômes parce que bon, tout le monde a du somnifère, mais littéralement tout le monde, hein. Même Fuller, je crois. C'est pour dire. Dr. Colden. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up, without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds, and then they leave. Each time, I feel like I'm sending them back to hell. Their affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. Bah, surtout que c'est pas l'hôpital pour sauver du monde, hein. Ils cachent les dossiers médicaux, quoi. C'est quand même... In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. Tu sens les magouilles glauques quand même des hôpitaux de l'époque. Bon là, évidemment, on est dans un roman à la Lovecraft, évidemment, c'est pas... Bon, I don't have any business in the boiler room.
ou un médecin un peu prétentieux, un but de sa personne et à la recherche de pouvoir et de reconnaissance, à tenter des expériences un peu sur des patients. I'm not joking. T'en étonnerais même pas. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Listen to the way. Et du coup, on n'a pas d'item avec elle. We've been waiting to be restocked for weeks. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Watch out for the water, Doctor. Patients and hospital personnel eat the same food. Putain, les cuisines à l'ancienne. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. J'ai fait le tour. The operating room is never accessible after an operation. Thomas Fuller. Let's hope I can go through the administration office. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Oh. Tu sens la connasse qui bosse pour, hein. C'est le bras droit. Là, c'est l'administration. Chronic insomnia, like half the island. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Come now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking qualified personnel, and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. La pauvre. Maltraitée par la... Je pense que c'est l'infirmière en chef, la vieille. Si je dis pas de bêtises.
Ouais, ça c'est l'administration. Elle est là, donc il faut faire une diversion. The doses prescribed by Fuller are far too high. Je cherche les portes, est-ce que j'ai dû rater un truc? The door to the boiler room is locked. Where did I see that key? Ah, oh, yes. The office in block B. Ah, la chaudrie. Le coffre. Donc ça c'est la clé qui est sur le bureau. Enfin, dans le tiroir du bureau. C'était où ce bureau encore? Attendez. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Ah, ça c'est salaud, il nous faut un outil. Oh putain, non. On va devoir tout détourner l'attention, donc couper l'eau et il faut trouver un outil. Un outil. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme... Non, ça c'est ça. Ça c'est son bureau. Ah, le petit coup de bol, on est tombé dessus. Dans les chiottes. Je me cache. Voilà. Histoire qu'on vienne pas dire que. Qu'elle se fasse parpérer. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Comment je déclenche le truc? Faut que j'aille voir la petite. Ouais, je vais pas faire le tour, hein, c'est pas loin. Voilà. J'essaye de me repérer, c'est pas évident. C'est pas très grand, mais. It's temperamental, if I understand correctly. Et c'est déjà fait. Hein. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Ah putain, elle va se faire... Ah, c'est de notre faute là pour le coup.
Ah, la diversion. Elle va en prendre plein la gueule par la... Par la... Je sais même pas comment la qualifier. La vieille conne. Ah ouais. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. I told you to control the flow. Even if I know it's not your strong point. I've apologized 1,000 times. I haven't counted that many, but then unlike you, I don't have time to keep track. Please, Mrs. Donovan. I'm grateful to you for having kept me on despite that incident. I just need the water to be put back on. Otherwise, the bathroom will quickly become a nest of germs. Oh, very well. I'll finish what I'm doing, and then I'll fix your blunders once more. Thank you, ma'am. Out of my sight. Go chatter with your colleagues. That's what you do best. Ah, les défects. Oh. J'ai pas fait attention à tous les bureaux, moi, ici. Ah, elle est infecte, hein. At last, the missing files must be hidden here. The Stendhal syndrome, of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. I've unlocked something. Patient files. I was right. Entretien avec Sarah Hawkins. Conclusions, session number 17. Patient, Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes on to say that this peculiar that comes with her exceptional gifts. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Pourquoi le garder? Why is Ethan on medication? C'est bon. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Oui, c'est vrai que comme on la croyait folle, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est retrouvée à l'institut. Pour se soigner, et lui, il en a profité. En lui piquant des échantillons de sang et autres.
poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came. Irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is definite that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Sarah Hawkins est le lien. I must go back to the basement. On a les dossiers, on a tout. Faut descendre, ok. Il me semble que là c'est l'administration. C'était pas quelque part. C'était pas dans le coin. Si, c'est ça. C'est ça. Et je pense qu'on se quittera sur ce chapitre. Oui, il faut descendre, donc. C'est dans le coin. Ah. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Oh, l'ordure! If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Oh, il l'a eu. Oh, il a eu Marie. Talk, filthy thief. Oh, I swear I'll shoot. T'as pas les couilles. Qu'est-ce qui se passe? Ah. La transition ratée. Ils ont essayé de faire un fondu. Force, éloquence, ça marche pas. C'était Charles Hawkins. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How c'est foolish le livre of des you. Morts, normalement. Now you won't be able to escape his will! Des pages avec une what did it show you? C'est le Necronomicon.
j'ai vu à travers les yeux d'un autre. Ce serait pas mal de refaire une partie avec un gros score d'occultisme. Pour résoudre les trucs. En vrai. Mais ça demande beaucoup de points à mettre. Il y avait Mary Colden. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Necronomicon! Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! Merci, Evil Dead. No one knows the occult better than me. You might Merci need des my films help. De Evil Dead. Entre autres. Écoute, allez, viens. All right, all right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins Mansion. Now go, rescue the doctor. Thank you, Drake. Eh bien, voilà qui clôture le chapitre. Hein. Voilà, Institut, chapitre 9, parfait. Là qui clôture et qui va mettre un terme à ce live. Alors, le livre a projeté Pierce dans le corps du docteur Colden. Le détective a assisté impuissant à l'enquête menée par l'ami de Bradley. Donc c'était en direct, putain, confronté aux expériences de Fuller. Elle s'est introduite dans son bureau et a découvert que le directeur de l'Institut Riverside cachait des informations. Si ce n'est le cadavre de Sarah Hawkins. Mais elle a été découverte par Fuller. Pierce doit la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Allez, c'est la cinématique, mais on reprendra là. On reprendra là demain. I pray that Colden is really here, and alive. Voilà, on reprendra là demain. A bientôt, et bien joué. Merci, Landal. Ça s'est plutôt bien passé, en vrai. Les énigmes pas trop compliquées. Donc, c'est cool. Alors, pépétipétipétip, je vais vous switcher l'affichage du jeu. Tac. Faire ça bien. Ah merde, attendez. Charger la dernière sauvegarde. Oui, c'est des sauvegardes auto, il me semble. Voilà. Il me semble. Tac. Tac. Voilà. Impeccable. Nous, on va se quitter là. Oh, c'est pas le bon. Bah, dis donc, Snakey. Ouais. Faut que je ne connais plus l'emplacement de mes scènes. Voilà. Alors. Les amis, je vous dis à demain. Demain, on va faire ça encore, peut-être. Je pense. Ou du Destiny 2. Je sais pas. Non. Call of Toulouse, c'est bien. Ou les deux. On verra. Des bisous. Portez-vous bien. À demain. Ciao, bye. Thank you.